Quatre de ces nombres sont égaux entre eux. Question, quel est le cinquième? Pour trouver cela, nous allons simplement calculer ces cinq nombres. Le premier nombre peut être remplacé par 8, c'est 2 exposant 3, et le 4, c'est 2 exposant 2. Donc ce produit se transforme en 2 exposant 3 fois 2 exposant 2 fois 1010. Ainsi, nous avons la base commune 2. 2 fois 1010, ça fait 2020. Donc, nous obtenons 2 exposant 3 plus 2020, c'est-à-dire 2 exposant 2023. Deuxième nombre. Ici, il suffit de multiplier les exposants et 17 fois 119, ça fait 2023. Donc, les deux premiers nombres sont égaux. Dans le troisième exercice, il suffit d'additionner les exposants, ce qui donne de suite 2 exposant 2023. Les trois premiers nombres sont égaux. Passons au quatrième. Le 4 qui est là, on va le transformer en 2 exposant 2. Et ici, nous avons comme exposant 5 au carré, c'est-à-dire 25, avec le moins devant. Donc, nous transformons ce produit en celui-là. 2 exposant 10, ça fait 1024, fois 2, c'est 2048. Donc, comme exposant de 2, nous obtenons 2048 moins 25, c'est-à-dire 2023. Ainsi, nous voyons que les quatre premiers nombres sont égaux, donc le nombre demandé, ça doit être le dernier. Et par conséquent, c'est le E, la bonne réponse. On peut toujours s'amuser avec le calcul de ce dernier nombre. On applique les mêmes formules de puissance et on trouve comme réponse 2 exposant 2147 qui lui est effectivement différent de 2 exposant 2023. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.